Et bonjour à tous, c'est Pierre-Alex, aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, on est là pour faire la plus grosse rampe de GTA V, c'est magnifique. Regardez-moi ça, on a en plus une petite Bugatti des familles. Merde, attends, vas-y, ça démarre, c'est vrai que je commence la vidéo avant. Oh, attends, fais voir un peu la rampe là. Attends, sympathique. Alors, on a plusieurs courses avec des rampes. Jamais fait, ok, ça a l'air big. Alors, si j'ai pas compris, il y a des boosts, pourquoi il y a des... Attends, la rampe a l'air tout ça. Oh c'est une dinguerie, je vais adorer, on va kiffer. Déjà petit pouce bleu, abonne-toi, c'est déjà fait. Et puis écoutez, on est parti, il pleut par contre, c'est un peu chiant. Mais, attends, déjà la radio tu vas te calmer. Oh magnifique, c'est quoi déjà ce que j'ai là? C'est la Trax qui est une Bugatti, si j'ai pas compris, c'est quoi? Ouais c'est une Bugatti, maintenant laquelle? C'est censé être la Bugatti Divo, voilà, Bugatti Divo, toujours sympathique. Alors, écoutez, très vieux blabla. Attends, pourquoi il y a une musique là? C'est pas la radio maintenant, c'est vraiment la musique du truc. Avec les flammes et tout, ok. J'ai l'impression qu'on va en enfer carrément. Allez hop, on active. Je sais pas si je dois aller vite. Je peux retarder. Ah non, ok, dans les ralentissements. J'ai mis le boost, ok. Magnifique. Ok. Alors là, le jump. Attends, mais il y a 40 000 trucs à ce côté. Il y a quoi là? Attends, il y a plusieurs. Ok, on va voir. Non, ok, le jump est mis. Effrayant. En plus, c'est trempé, frère. Ok. C'est juste ça? Non. Alors là, il m'avait vendu un peu plus. Attends, mais frère, on voit rien. Pourquoi on voit rien? Mais gros, mais désactiver la vue casse-cou. Ah ouais, mais non, faut que je désactive. Attends, c'est pas ça la truc. Frère, c'est horrible. Ils m'ont vendu une rampe. Heureusement qu'il y a trois courses. Alors, c'est censé être les courses les plus faites et les plus jouées par les joueurs sur Play 5. Voilà. Et sur PlayStation tout court, d'ailleurs, même sur PS4. Sur Xbox aussi possible, même sur PC. J'ai juste pris les courses Social Club PS5, vous avez compris. Ok. Ok, monsieur. Ok, en fait, c'est une course gentille. Je m'attendais vraiment à une course hardcore. Tu sais, avec la pluie, le truc. Ils nous ont vendu un truc de malade. Et pas tant. Par contre, la Bugatti. Non! Alors, il y a des trucs cons, mais alors celui-là. Frère, je voulais changer de vue. Pourquoi j'ai fait triangle? Mais effrayant. Effrayant là, ce que j'ai fait. Ok, il nous emmène dans un. En fait, non, c'est une course un peu créateur. En fait, c'est une course de créateur. Ok. Bon, la prochaine, je crois que c'est vraiment une méga rampe ultime. Là, c'est un peu une course un peu rigolote. Pourquoi pas rigolote. Tu sais, je prends l'action du sud. Ok, bah magnifique. Non, en vrai, c'est sympa. En vrai, la course est sympa. Je suis un peu un connard. Mais. Et tout explose à la fin, d'accord. Mais là, je voulais vraiment faire une rampe de malade qui m'envoie hyper loin. Sauf que là, en fait, pas tant. 5 000 $ par contre, ça c'est pas mal. Ok les gars, deuxième course, méga rampe. Alors on n'a pas vu, mais je crois que sur l'image, vous avez pas vu. C'était vraiment une méga rampe de folie. Je sais pas pourquoi on est en bas. Bon, c'est pas grave. Est-ce que vraiment c'est encore un deuxième fail? Non, en vrai je pense pas. La première était bien en plus, j'abuse. En tout cas, deuxième Bugatti, magnifique. Bugatti Chiron, cette fois-ci, ou Chiron. Je sais pas l'accent qu'il faut avoir. Faut faire un peu. Je sais pas. Bon, en tout cas, sympathique. Voilà, tout à l'heure on avait la Trax. Je sais pas pourquoi là. C'est ma période Bugatti. Bon, ouais, non, ok. Attends, et le meilleur. Oh! Pardon. Alors, si vous avez pas vu, je vais faire un deuxième plan caméra. C'est vraiment celle-ci. Oh! Ah oui, mais attends, j'espère qu'on la descend. Attends, oui, on fait le tour. Attends, ouais, j'ai l'impression, ouais. Et là, la. Oh! J'aime beaucoup ce qui se passe. On va aller voir ça. En tout cas, ouais, j'ai repris. Attends, déjà la radio, tu vas te taire. J'ai repris les courses les plus faites par les joueurs. Donc, je me suis dit, c'est forcément bien. On va voir. Je vais pas vous mentir, au début, je voulais faire une méga rampe moi-même. Et vraiment la faire et tout. Sauf que je me rends compte que je suis très nul à faire une activité en fait. Je galère de malade. Et je comprends pas comment mettre les éléments et tout. Et j'avais déjà fait des activités mais très très simples et un peu mode. Et c'était beaucoup plus simple en fait. Et quand tu fais un truc un peu premier degré. Avec des rampes. Et bah je galère. Ouais, par contre je suis plus vite que le jeu me demande ou quoi là. Je bégaye en fait. Je merde. Allez. La méga rampe. On y va. Oh putain ouais elle est là-bas. Ok on y va. Alors là les gars. Je peux vous dire que là celle-ci. Par contre, on la descend ou on la monte? Sur la monte, c'est l'inverse du méga rampe, quoi. Après, je vous assure que si on la monte, je ferai tout pour la descendre. Voilà, c'est cool. Bonjour, c'est moi. Bon, le nombre de points qu'il nous met, faut doser. C'est où là? Ok, tranquille. Regarde, là, je suis en train de faire mon. Je suis à l'auto-école, là, je suis auto-école. Bonjour à tous. Ok, alors, pour l'instant, on la monte. Effrayant. Je vais la descendre. Ok. Ah, mais le problème, c'est que si je veux la descendre, je veux bien, mais j'ai pas de jump à la fin. Putain! Allez! Tu m'as vendu du rêve là. Là tu me vends du rêve frérot. Je veux du rêve là. Il y a intérêt. Hein. Ok. Oui. Oh j'ai compris. Ah oui j'ai compris mais je vais trop vite. Ah mais j'ai compris mais je vais beaucoup trop vite. Oh effrayant. Oh tranquille, je m'attendais vraiment à un truc de fou. Ouais j'attends. Pourquoi il y a un truc derrière là?
Ok, non, je peux pas. Ok, je m'attendais vraiment à une rampe de œuf. De œuf, oh là là, mais c'est pas parler. De œuf, c'est un peu la contraction, genre c'est ouf, mais en verlan, quoi. Œuf, voilà, c'est Jonathan Cohen en fait. Je suis Jonathan Cohen. Eh les gars, bah, comment il dit je sais plus, je suis une merde. Eh gars, voilà, c'est eh gars. Eh gars, eh guys, je te le dis. Bon, est-ce que la course t'a donné toutes tes surprises? Je n'espère pas, mais je crois que oui, malheureusement. Après, la course, c'est vraiment stylé, hein. Ah ouais, non, mais je suis un con de monde. Je suis sûr que vraiment, quand j'ai essayé de la faire, j'ai rien compris. Enfin, de faire des courses, j'ai pas capté. Donc, voir des mecs qui arrivent à faire ça, c'est quand même méga stylé. Mais c'est vrai que je voulais vraiment une rampe. Mais ça se trouve, c'est chiant à trouver. Bah, limite, si vous avez une course, méga rampe, hyper bien. Je suis chaud, voilà. J'avais déjà fait sur la chaîne à l'époque. C'est en il y a 3 mois. Il y a 3 mois, c'est à l'époque. Avec un train, c'était pas mal, c'était pas mal. Ok, il y a troisième et dernière course. J'espère que c'est bien. Ouh, tu sens l'ancienne. Oh, tu sens la patte à l'ancienne. La course, vraiment, en 2013, a été déjà sortie. Ok. Oh oui, on la retrouve. Attends, fais voir un peu. Avant qu'on regarde. Ah, ça, c'est une vraie rampe, ça. Ça, c'est une vraie rampe. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et si en plus. Attends, la radio, encore une fois. Si en plus, à la fin, il y a un petit stunt, je suis un homme heureux. Alors, j'ai arrêté d'ailleurs les machines. Là, je suis en quoi, là? Grotti Turismo. Bon, bah, voilà. Ah ouais, par contre, oh, tu sens qu'à l'époque il n'y avait pas de plaque. Pourtant c'est une course casse-cou, non je sais même pas. Il n'y avait pas de plaque et du coup on faisait avec des trucs comme ça de con. Tu sais, il n'y avait pas de trucs en hauteur. Oh ouais, elle date hein. Remarque, belle minia, regardez. Bon ok, allez, trêve de babatterie. Je sais pas si je dois aller vite ou non, je pense pas. De toute façon le but c'est qu'on s'arrête. Voilà, le but c'est que voilà, ils te disent ta gueule, on redescend. Ok, stylé. Oh tu sens que ça sent l'ancienne. Oh tu sens que c'est étrange, je sais pas pourquoi je le sens. Oh là là. Oh oui. Allez, fais-moi sauter. Très bizarre la phrase. Ah mais c'est tout. Ouais c'est laborieux de ouf. Oui c'est tout. Ah là tu vois c'est que une course jump. Là c'est ça qu'il faut là. Voilà là. Voilà maintenant on va essayer de la faire péter la voiture de con. Non on va pas la faire péter quand même. Oh. Oh. En vrai. Merde j'ai pris le point, je voulais recommencer. Oh non je suis trop con. Bon c'est pas grave. Mais en vrai de vrai oui. Première course où il y a un stunt. Sympa. Bon soit le stunt d'après regarde. Voilà, c'est vrai que Rockstar a déjà fait. Oh, mais il y a d'autres trucs en fait. Attends, je suis un malade. Par contre, vraiment, c'est la course 2000. Je sais pas quand elle est sortie. Je crois que j'ai pris les premières qui étaient. Voilà. Et elle est beaucoup jouée. Pas parce qu'elle est bien. Bon, la course est stylée quand même. Mais parce que tu sens qu'elle date. C'est l'une des premières qui était stylée quoi. Ah merde. Ah ouais. Okay. Par contre, le créateur est malin. Parce que comme je l'ai vu dans les courses casse-cou, ça veut dire qu'il l'a modifiée pour qu'elle soit casse-cou et qu'en mode elle passe dans les éléments casse-cou. Je sais pas, je me comprends quoi. Ouais. Voilà, puis là, le point est en l'air et le truc va spawn en plein milieu. Bah, ça c'est vraiment les trucs de l'époque. Voilà. Voilà, c'est nostalgie hein. Là, c'est nostalgie. Hein. Le mois du collège, j'allais dire de la primaire, peut-être parce que la primaire, j'ai pas le droit d'avoir GTA. Ça, c'est réel. Par contre, la voiture, elle est hyper bien. Attends, je fais ça pour rigoler là. Elle tient de ouf la route. La Turismo, je crois que je l'ai testée quand même. Ouais, j'ai dû faire une vidéo de test à un moment sur elle, c'est sûr. Oh, un petit jump. Allez. Alors là, croyez-moi que. Ah, oh, par contre, les trucs qui spawn. Allez, il aurait dû mettre des boosts là. Tu vois, tu mets des gros boosts. Ça aurait été magnifique. Non, enlève-moi cette merde, voilà, c'est de la merde. Magnifique. Ah oui, ouais, enfin, vite fait, quoi. Oh oui, oh, et les marches sur le côté, ah ouais, ah putain, la nostalgie. Là, c'est vraiment les trucs de vieux, en fait, vraiment. Après, c'est une. Ça, je crois que c'est l'un des premiers jeux GTA, en vrai, parce que tu sais, il y a eu Fortnite avec les créations de maps. Mais c'est vrai que GTA V, c'est quand même l'un des premiers jeux, je pense, qui a permis à ces joueurs, si on veut, de créer du contenu. C'est un peu facile, au moins eux, ils ont rien à faire. Tu sais, ils laissent les joueurs faire, gratuitement, tu vois, ils gagnent rien. Alors que Fortnite, j'avoue, Fortnite rémunère. Oui, pas GTA. Voilà. Ouais, je suis dans le noir là. Ah oui, c'est bugué. Ok, magnifique. Et franchement, c'est limite, c'est la course que j'ai préférée. Après, c'est nostalgie, voilà, je suis pas, voilà. Magnifique. Et en plus, c'était une vraie méga rampe. C'était une vraie méga rampe, incroyable. Bon, en tout cas, les gars, c'est tout pour moi. C'est vidéo. À chier finalement, mes vidéos sympathiques quand même. 5 000 $, je suis. Et ça, x3, je suis riche. En tout cas, les gars, j'espère que vous l'aurez kiffé. Allez, portez-vous bien, c'était Pierre Lesque, les bonnes choses, et ciao.